Bonjour à vous, chers élèves de l'école du bac. Cette année, nous avons vécu une année bien particulière. Vous avez fait preuve de résilience malgré le contexte. Vous avez continué à jouer votre rôle d'élève et d'être de fiers ambassadeurs de notre école du bac. Aujourd'hui, nous rendons hommage aux élèves qui se sont démarqués en mettant de l'avant les valeurs de l'école du bac, c'est-à-dire le respect, l'engagement, l'autonomie et la coopération. Alors, bon visionnement et bonnes vacances! À l'école du bac, on a une tradition de fin d'année. Sais-tu c'est quoi une tradition? C'est la fin de l'année? Je sais pas. C'est pas. Vraiment, tu dis. C'est comme donner quelque chose à une autre personne. Non. Notre tradition, c'est le gala de fin d'année. C'est quoi un gala, tu penses? Je pense que c'est le terrain de jeu. Je sais pas. On regarde une vidéo pour regarder dans à la fin de l'école. Mm-hmm. Un char de party, mais ça, c'est un animal. Un animal qui ressemble à quoi? Un gorille. Cette année, le gala sera virtuel. Qu'est-ce que ça veut dire virtuel? Virtuel, je pense, ça veut dire qu'on va être tout ensemble. Ça veut dire vire. Vire? Ah, virtuel, tu entends vire dans virtuel. C'est comme tu mets des lunettes, là, mais c'est comme tu vois pas comme où ce que tu vois okay. Comme ailleurs. Genre, tu peux voir la forêt, genre. OK! Ça veut dire comme dans un ordinateur. Je sais pas. Ben, on fait des travaux. On prend des fois, on prend des ciseaux, on prend des colles, on prend un crayon de pion. T'es-tu capable de me nommer les valeurs de l'école? De rester avec notre enseignante. De pas courir. De se laver les mains. Les valeurs, c'est peut-être... De pas crier, de pas courir, de pas pousser. Écouter. De prendre notre déjeuner avant de partir. Qu'est-ce que tu penses que ça veut dire, le respect? Ça veut dire qu'il faut bien écouter. Ça veut dire qu'on respecte un autre ami. Si on respecte sa question, comme genre, si on crie bien trop fort, bien on respecte sa question de arrêter de crier. Mais écouter. Écouter, OK. Écouter qui? Les professeurs. Ça veut dire écouter. Genre, t'écoutes tes parents. Mais pas se moquer de tous. OK, t'as raison. On dit, j'ai pas aimé ça, puis des fois on dit, non, arrête. Que quand je suis avec un ami, puis quand quelqu'un dit une affaire, comme parler, là, ben on fait... Puis l'autonomie. Ça veut dire un ami autonome, là. Des fois, on parle de ça à l'école. Parce que, des fois, moi, quand je vois avec Maddie porter des feuilles à la bibliothèque, ben, je suis autonome. Ça fait bien les choses. Ça veut dire qu'on aide. Ça veut dire qu'il persévère. Persévérance, ça veut dire quoi, non? Ça fait bien les choses. Ça veut dire qu'on est courageux. Ça veut dire qu'on réessaye. On est capable de recommencer et de faire un effort. Quand on ne réussit pas une chose, ben on recommence l'autre chose qu'on avait faite. On recommence combien de fois? Quand on n'a pas réussi à ça, ben okay. On recommence. Puis quand on a réussi, ben là, on peut arrêter de recommencer puis de recommencer. Puis quand on a mis ça, ben, on peut continuer. Quand on lève la main, là, c'est comme la persévérance. OK. Puis la coopération, est-ce que tu sais qu'est-ce que ça veut dire? Non. Tu sais pas d'idée? Je sais pas, moi. En quoi elles sont bonnes, nos directrices à l'école du bac, Mme Lynn Lachance et Mme Marie-Ève Carrier? À parler dans le micro. Je prenais une dans l'école. OK. Pour s'assurer s'il fait bien ça. On parle à toute l'école. Parce que des fois, je les aime beaucoup et ils sont très gentils. Puis si on voulait leur donner un prix, là, ça serait quoi? Ça serait 5 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5. 5 quoi? Qu'est-ce qu'on leur donnerait? 5 sous. 10 sous pour gagner de l'argent. 49. 49 dollars. S'acheter un nouvel ordi. Un trophée parce qu'il a travaillé fort. Un trophée. Puis qu'est-ce qu'on écrirait sur leur trophée? Merci. Merci.
calcule, ça va être 60 plus 60. Quelle est la réponse? Bravo d'avoir attendu ton tour et de l'avoir levé comme il faut. Quelle est la réponse? 120. Bonne réponse. Bon, alors les élèves, vous vont ranger votre jeu puis on va aller prendre votre rang. On va aller jouer dehors. On va prendre le 2 mètres avec les deux bulles. Je vois bien que vous avez respecté les 2 mètres et vous avez mis les couvre-visage. C'est super, je vous félicite. Oh, tu m'excuses. Je pardonne. Salut Léane. Salut Léane, comment ça va? Ça va bien? Et toi, ta fin de semaine, ça a été comment? Bon, les élèves, on respecte les bulles. Pourquoi? Pourquoi? Parce que si vous avez le coronavirus, vous pouvez le donner à une autre classe. Donc, okay. On respecte les deux classes. Mais c'est quoi les 2 mètres? Ben, c'est ça. C'est au moins 2 bras. OK. Mettez-vous moins mon bras. Voilà. Ici. Comme ça. Ouais. Nous sommes la gorille. Comment ça s'est passé bon, dans la semaine? Ben bien, j'ai fait du vélo. Les élèves, on ne parle pas dans le corridor. D'accord. Pourquoi? Ben parce que vous dérangez les autres classes qui travaillent en ce moment. Si on parle trop fort. Ok, bon. Bye bye, il faut s'habiller par là avec les gants. Bon, mes belles mains. Ok. Mais en fait, on joue à se déplacer dans le train. Ah oui. Mais pourquoi il faut pas pour prendre le train? Parce que la cloche a sonné. Ça sert à quoi une cloche? Ben, moi, je crois qu'une cloche, ça sert à rentrer en dedans. Puis à se mettre en rang. Oui, c'est sûr. Non, mais pourquoi faut être en rang? Parce que pour respecter les bulles classe. Ouais. Puis aussi, parce que la cloche a sonné. Ok. On va se mettre en rang. Un demi-bout. C'est ça. Bon, mettez-vous en rang. Voilà. Maintenant, mettez votre masque sur votre nez et sur votre bouche. Pourquoi on met notre masque sur notre nez et sur notre bouche? Parce que dans l'école, on met notre masque. Puis dehors, on va rentrer là. T'as pas remarqué quelque chose? Mais c'est parce que ça sert à quoi notre masque, hein? À cause du coronavirus? Pour nous protéger. Du coronavirus. T'as pas remarqué quelque chose? Bon, maintenant, venez. Les élèves, on va pratiquer la liste de la semaine parce que demain, on va avoir une dictée. Qu'est-ce que tu fais, Laurence? Ah, ben, je vais à la toilette. Ben, reviens ici, il faut que tu lèves la main. Viens, Laurence. Tu vas aller à la salle de bain? Oui, bien sûr. Merci. Bon. J'accepte des excuses. Est-ce que tu veux venir avec nous? Oui, j'aimerais bien. Est-ce que c'est Louis? Non, c'est jamais le règle du jeu. Viens, je vais t'expliquer le règle, c'est facile. Merci. Bonjour à tous les élèves et tous les membres du personnel de l'école du bac. Je m'appelle Samuel Lefebvre et je suis moi-même un ancien de l'école du DAC. Je suis aujourd'hui diplômé en administration des affaires de l'Université Laval et aussi j'ai eu une carrière de 4 ans avec le Rouge et Or Football où j'ai eu la chance de gagner 2 championnats nationaux. On m'a demandé de participer à votre gala et j'en suis très fier parce que, disons-le, ça n'a pas été une année facile et ça me fait plaisir de participer au gala et de présenter la catégorie respect. Le respect pour moi, c'est très important. C'est une des valeurs qui m'a été inculquée le plus jeune. Et pourquoi c'est très important pour moi, c'est simple. Tout au long de votre parcours, vous allez voir d'aujourd'hui jusqu'à la vie adulte, vous allez croiser des milliers de gens. Puis ces gens-là vont se rappeler de vous. La première chose qu'ils vont se rappeler, c'est si vous étiez quelqu'un de respectueux. Dans le sport que je faisais, évidemment, le football, il faut respecter les règlements, respecter les coachs, respecter le cahier de jeu,
respecter nos coéquipiers, respecter les arbitres, mais aussi respecter les adversaires. Mais le respect, ça va plus large que le sport. Ça, c'est dans toutes les facettes de notre vie. Okay. On disait souvent au football, il faut briller même quand les projecteurs sont fermés. Donc, quand les lumières autour du terrain sont fermées, il faut continuer de briller. Quand on parle de respect, c'est la même chose. Quand les projecteurs sont fermés, quand tu es en classe, tu respectes tes enseignements, tu respectes tes assignations à l'école, donc tes devoirs d'étudier pour les examens, etc. Il faut que tu maintiennes un certain niveau d'excellence partout dans tout ce que tu fais. Mais le plus important, c'est de se respecter soi-même aussi. Savoir nos limites, savoir où ce qu'on doit penser à nous, s'écouter et respecter les décisions qu'on a prises et les assumer. Donc, c'était la présentation de la catégorie du respect. Félicitations à tous les méritants. Bonjour, je m'appelle Kéliane Martel et je vais nommer les méritances du respect. Allison Lachance. Elena Bolduc. Xavier Bolduc. Félix Godmer. Ethan Quentin. Amy-Rose Lagueux. Élie Tanguay. Tatiana Bafouindinsoni Charret. Jace Paré. Elodie Bouchard. Aya Oumaïdi Lessard. Mathieu Théberge. Enna Létendre. Mélodie Coe. Zoé La Rochelle. Benjamin Rousseau. Charles-Antoine Duchesneau. Amélie Bolduc. Maïva Tremblay. Molly Blanchet. Amélia Cassangoy. Evan Bolduc. Simon Hoyos Arango. Luc Martel. Anaël Bérubé. Émilie Mathieu. Juliane Coe. Émilien Bissonnette. Mathis Bélanger. Rosalie Gagné. Sophie Beaumont. Ça me tente pas de coller 50 mots. C'est trop difficile. Allô les élèves, aujourd'hui on va faire un travail de maths. Je sais que ça peut être un peu difficile, mais vous allez y arriver. J'ai pas envie de faire ça. Ça va être dur, ça va être plate, je veux pas le faire. Moi ça me tente de le faire parce que je suis engagée. Je vais aller chercher mon livre. Ça me tente pas de aller alimentaire trop difficile. Spirale de maths trop difficile. Dessin. Non. Dieu calme, oui. Oh non, pas l'alimentaire, ça tente pas. Pas la spirale de maths. C'est trop difficile. Dessin peut-être. Oh, Dieu calme, ça me tenterait. Oh, il y a qui là, ça tombe bien. Dieu calme, non. Dessin, non. La maths. Oui, je t'ai engagé. Bonjour tout le monde, je suis très content de pouvoir participer à votre gala annuel de l'école du bac. Je veux saluer tous les élèves de votre école et je veux surtout vous dire bravo pour votre persévérance. Je sais que la dernière année n'a pas été facile avec la pandémie, mais vous avez réussi malgré tout. On est fiers de vous autres. On m'a demandé de présenter la catégorie de l'engagement. On a vu avec la pandémie à quel point c'est une valeur importante. Nos héros,
du réseau de la santé sont engagés pour nous protéger. Des milliers de Québécois sont engagés pendant des mois pour aider ceux qui en avaient le plus besoin. S'engager, c'est continuer, même quand c'est difficile, parce qu'on sait que la cause en vaut la peine. C'est une valeur qui aide à avancer toute la vie. Donc, bravo à tous les méritants et bonne fin d'année scolaire. Bonjour, je m'appelle Mélia Gagné. Je vais vous présenter les élèves qui ont gagné leur méritance des engagements. Jacob Bruno, Elliot Bonneau, Amy Bélanger, Maëly Thériault, Laurie Gouin, Camille Biron, Elodie Lange, Anne-Sophie Dubé, Hubert Morin, Grégoire Coe, Aiden Parent, Kayla Poulain, Jacob Larivière, Elliot Baudouin, Elisabeth Brissette, Delphine Perrault, Alice Goodmire, Alexis Lefebvre, Nathan Denio, Maria Ouellette, Émeric Huard, Sean Aubert, June Terrien, Alice Ducré-Mégui, Sarah Roy, Zach Pouliot, Frédéric Bérubé, Alice Fortier, Anaïs Lessard, Ellie Jane Ward, Julien Blouin. Oh non, j'ai besoin d'un autre crayon. Et moi? Nous, à l'école du bac, on est autonome. Bon retour de récréation, les élèves. J'espère que vous avez passé une belle récréation. Sortez le matériel soit un marteau, une boîte de conserve, une sandale et une tasse. Et... Oh! L'école du bac, on est autonome. Les élèves, quand vous avez fini, travaillez de façon autonome. Bravo les élèves! Nous, à l'école du bac, on est autonome! Bonjour à tous les élèves de l'école du bac, c'est Gabrielle Fontaine, je suis comédienne. Peut-être que vous me connaissez davantage sous mon nom de Pascaro, ou peut-être que vous m'avez déjà vue dans la série 14 000 millions de choses à savoir. Je suis très 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 heureuse de participer aujourd'hui à votre sixième édition de votre gala annuel. Alors moi je vais présenter le prix de l'autonomie. C'est une catégorie qui me parle beaucoup parce que c'est très 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 important dans mon métier de comédienne d'être autonome dans toutes les sphères du métier. Donc par exemple, si j'ai un rôle au théâtre ou à la télévision, je dois être autonome et me fier sur moi-même pour apprendre mes textes, pour travailler mon personnage, pour pratiquer mes chansons. Et quand j'arrive sur le plateau de tournage, ben, les gens comptent sur moi pour que je sois prête. Alors voici la catégorie de l'autonomie. Félicitations à tous les méritants! Bonjour, je m'appelle Frédéric Bozuc et je vais vous nommer les méritants pour l'autonomie. Maëly Tremblay, Romy Massé, Zachary Labrec, Elliot Lagueux, Marie-Jeanne Lapointe,
Édouard Heinz, Nicolas Grenier, Xavier Sanson, Léonore Routier, Étienne Fradette, Maverick Couture, Noémie Odette, Joanie Martel, Ariane Bégin, Théo Leclerc, Olivia Brindamour, Anne-Frédérique Demers, Anthony Gagné, Charles Grenier, Loïc Roy, Chloé Leclerc, Justine Larose, Alexis Roberge, Estelle Fortin, Alison Landry, Léane Gauvin-Lévesque, Nala La Rochelle, Naomi Rochette-Gélina, Élie Parent, Ariane Dutille, Elliot Vallée. Ici, petit pont, petit pont. Le carré, tu passes des pompes pour. Comme ça va être facile, coupeur. Ok. Ouais, regarde, tu vois, c'est à ça que ça sert à couper là, Zachary. Ouais. Est-ce que quelqu'un prendrait un crayon? Oui, j'en ai, je te le passe. Passe, t'as besoin. Non, on est juste allé chercher. Sérieux, là, Marianne. Prends-le, le crayon, ça va être mal. Moi, je comprends le copain. Non, copain. Non, copain. Marianne, copain pas, brise la chaîne, là. Ça se fait pas faire une chaîne, tu sais. Non, fait copain pas du tout, là. Copain, tu vois bien, ça va les aider, là. Tu veux pas faire. Même si c'est pas tes amis, là, tu pourrais peut-être les aider. Coopère un peu. Coopère pas. Coopère. Coopère pas. Coopère. Coopère pas. Père, tu le prends-tu le crayon? Merci. Merci. Merci beaucoup, hein? J'apprécie énormément. Merci beaucoup. Lucas, c'est ton aller à l'école. Oui, j'arrive. Allez, on joue au soccer? Ouais, tiens. C'est parti. J'essaye de tirer. Ah non! C'est pas grave. On va y arriver. J'essaie. Ok, encore. Ok, j'ai sonné, on va aller encore parce qu'on va essayer. Oui. Ouais. Oui, est-ce que je peux aller chercher Lucas? Oui. Salut, Lucas, ça va? Ouais. Okay. Qu'est-ce que tu fais? Je programme des. Est-ce que tu peux me montrer ton nom? Oui. Lucas, t'es pas en train de programmer? Non. Tu places tes doigts sur les boutons. Tu cliques sur ce bouton. Et je vais essayer. Ah, c'est vrai, ça marche. C'est cool, hein? Lucas? Ouais? Faudrait que tu retournes chez toi. Ta mère a appelé. Bye, à demain. Bye bye, à demain. Salut les amis! Salut. On se repratique? Ouais. J'essaye, je me concentre.
c'est la bonne. J'en suis persuadée. Je fais les passes. Et... c'est but! Ouais! Alors bonjour, chers élèves de l'école du bac. Ça me fait plaisir de vous parler dans le cadre de votre gala annuel. Je m'appelle Alain M. Bergeron, je suis auteur jeunesse, j'ai écrit au-delà de 300 livres. Je pèse pas 300 livres, là. J'ai écrit au-delà de 300 livres. Bon, entre autres, j'ai fait, vous connaissez peut-être Les Savais-tu? J'ai fait aussi Le Petit Livre Zut. J'ai fait La Clique du Cap, entre autres. J'ai fait Les Bélistulats. Et bien, on a un lien, l'école du bac et moi. Un lien assez fort, même, je vous dirais. J'étais au Salon du Livre de Québec, il y a quelques années, et j'avais écrit les livres ici. J'avais écrit ces deux livres-là, Les 12 travaux de Billy Stuart et L'épreuve finale. Dans ces deux livres-là, bon, ben, Billy Stuart et ses amis doivent réaliser 12 travaux. Bon, vous aurez compris qu'il y en a 6 dans celui-là. Et il y en a 6 dans celui-là. 6 plus 6, ça fait 12. Bravo, vous avez réussi votre 6e année. Au départ, ça devait s'appeler les 12 travaux tome 1, les 12 travaux tome 2. Sauf que l'éditeur, celui qui publie les livres, il n'était pas d'accord avec ça. Lui, il a dit, celui-là, tu vas l'appeler les 12 travaux, le 11e, et le 12e, tu dois trouver un titre. Et j'étais très embêté parce que j'avais aucune idée de quelle façon le nommer, ce livre-là. Et j'étais au Salon du Livre de Québec il y a quelques années. Et il y a un élève de 3e année de l'école du bac, qui s'appelle Luca Dallaire, qui vient me voir. Puis il avait acheté le 11e. Puis il dit, comment va s'appeler le 12e, la suite? Et là, je lui explique que j'en ai aucune idée parce qu'on doit trouver un titre. Ça pressait parce que le livre allait sortir quelques mois plus tard. Et je lui raconte que, bon, dans celui-là, dans le 12e, Billy Stuart va réaliser les 6 derniers travaux et il va pouvoir rentrer à la maison parce qu'il voyage dans le temps. Et mon ami, Luca, qui devait avoir 9 ans ou 10 ans, m'a dit du haut de sa 3e année, mais vous devriez appeler ça l'épreuve finale. Je dis, hein, quelle bonne idée! Alors, je suis allé voir l'éditeur qui était sur place. J'ai dit, qu'est-ce que tu dirais si on appelait le 12e livre, la suite, les 12 travaux, on l'appelait l'épreuve finale. Puis il a dit, ça marche. Alors, grâce à un élève de 3e année de l'école du bac, j'ai trouvé mon titre pour mon 12e livre, la suite des 12 travaux de Billy Stuart, l'épreuve finale. Et moi, je reçois toujours les livres... quelques mois, quelques semaines avant la parution, avant que les livres soient mis en vente à la librairie. Alors, quand j'ai reçu mon livre au début du mois de septembre, je suis allé à l'école du bac. Et mon ami Luca était rendu en 4e année. Et j'arrive dans sa classe, puis je lui dis, « Hey, Luca, est-ce que tu te souviens, tu m'avais donné le titre du 12e livre? » Il dit, « Oui, vous l'avez gardé. » Je dis, « Oui, non seulement on l'a gardé, mais ça me fait plaisir de te donner le premier exemplaire du livre. » Alors, Luca a eu le premier livre, l'épreuve finale, grâce à lui. Alors, vous voyez, c'est important, la coopération. C'est une valeur qui me touche beaucoup, surtout dans mon métier. Alors, nous, c'est beaucoup un travail à relais. Hein? Si on prend Les Savais-tu, ben, la série Les Savais-tu, c'est un travail à relais. Par exemple, Michel Quintin, qui est éditeur, bien, lui trouve les 29 informations qu'on retrouve en bas de chaque page. À partir de l'information, mon travail à moi, celui de Samparle, c'est de trouver des blagues. Quand la blague est trouvée, je l'écris, je la donne à Samparle qui fait les illustrations. Et ça fait un salut. C'est toujours un travail de collaboration. Il y a l'imprimeur, évidemment. Il y a le distributeur, celui qui va porter les livres dans les librairies. Il y a les professeurs qui sont une partie prenante de toute cette chaîne de livres-là. Parce que souvent, ils les font connaître aux élèves, aux parents également. Donc, d'ailleurs, je salue les professeurs. On parle souvent des anges gardiens dans les hôpitaux, mais vous êtes aussi des anges gardiens dans les écoles. Mon Dieu, votre métier est tellement important. Alors, dans la catégorie de la coopération, moi, je m'en voudrais de ne pas féliciter tous les méritants
de l'école du bac. Alors, je vous salue. Je vous souhaite encore un bon gala et une bonne fin d'année scolaire. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Thomas Pagir, élève de 4e année, et je vais vous présenter les élèves méritants de la catégorie coopération. Charles Royer. Alexis Picard. Maddy La Rochelle. Éloïc Sanson. Elisabeth Mercier. William Duguay. Corinne Daigneau. Léane Chimcroix. Abigail Pichu. Raphaël Caron. Charles Sanfason. Xavier Fortin. Marc-Olivier Tremblay. Éric Giroux. Léonie Pamerlot. Marie-Jeanne Dussault. Charles Sanson. Béatrice Lévesque. Annabelle Brochet. Elliot Labbé. Juliette Baudry. Léane La Rochelle. Ophélie Thibaudot. Xavier Rouleau. Ludovic Chabot. Édouard Roberge. Aya Goudreau. Cédric Morin. Olivier Morin. Charles Dubois. Guillaume Labelle. Hey Nancy, tu sais pas quoi? J'ai assez hâte dans le vaisseau, là. J'ai chaud, là. Ça a pas d'allure. Hey, attends. T'as pas vu le courriel qu'on vient d'avoir? Non. Là, il va falloir porter des masques, la visière, pis des gants. Ah non? Ouais. Hey, ça doit être pour ça qu'il y a une moustache qui m'a fichu. Ah ben, ça expliquerait bien des affaires. Ah ouais, hein? Oh, c'est sûr. En plus, hey, t'as peu? Plus, il va falloir se mettre du Purel aux 20 minutes. Aux 20 minutes, du Purel? Oui. Comme une douche? Oui. Ah, ça doit être pour ça que mon bleu, hein, il est gros comme ça. Ça l'explique tout, ça l'explique tout. Ça expliquerait bien des affaires. Pis là, la direction, ça a l'air qu'ils veulent acheter un détecteur à rayons bioluminescence. Hey, faut que j'aille essayer ça, moi. Ben, dis-moi dans les nouvelles. Oh! Hey, je te dis, c'est vraiment hot! Tu devrais essayer ça! Ouais, c'est que là, l'affaire, c'est que si t'es contaminé, il faut prendre ta température aussi. Hop là! Là, ben, je sais pas par où commencer. Oh non! Je pense que j'ai le goût de pleurer, là! Moi aussi. On va falloir dire aux filles de venir chanter une chanson, de remonter le moral. Vite, les filles, venez-vous-en! Allez, les filles, je vais vous en venir! Let's go! Musique! Encore un masque à porter, en même temps que les lunettes, la face encore toute boutonnée, mon 4 heures du midi taillé. Ça fait 100 fois que j'avertis deux élèves de pas se toucher parce qu'ils ne sont pas de la même bulle, question de ne pas se contaminer. Prends encore le thermomètre, parce qu'Henri coule du nez. Non, éducatrice, c'est pas facile, mais c'est un peu Walt Disney. Surtout que ça me fait réaliser que derrière tous ces beaux petits masques, c'est toujours bien s'amuser avec des ciseaux du papier. La chose que je me dis tout le temps, quand je vois tous ces enfants qui courent en la vie pendant cette pandémie. Je suis si triste des fois quand je rentre à la maison et que je pense aux jeunes du bac, que je m'ennuie de vos câlins et vos sourires en coin. C'est pas grave.
Bonjour, je m'appelle Elliot et je vais présenter la catégorie du service de garde. Lucas Cadorette. Édouard Laverdière. William Bergeron. Julien Chénard. Pierre-Olivier Tremblay. Alicia Wallet. Rose Webster. Laurence Saint-Amand, Maëlie Poulain, Sarah Royer, Elisabeth Lavardière, Emma Beaulieu, William Vachon, Liam Fortin, Caleb Wildy, Béatrice Pelletier, Alice Bourque, Elsa Fortin, Zachary Bellin, Kellyanne Martel, Logan Hamel, Antoine Fillion, Benjamin Terrien, Zoé Saint-Amand, Nelly Bissonnette, Abby Terrien, Léane Gagnon, Michael Audet, Ludovic Dussault, Delphine Duquet, Florence Baudry. Bon, ben, hey, gang, on voulait juste vous dire qu'on a eu une année extraordinaire avec vous autres. Ça a été super le fun. Puis, c'est sûr qu'on a eu des embûches, mais on est fait fort, on était capable de passer au travers. Fait qu'on vous souhaite un super de belle été. On est très fiers de vous autres cette année. Vous avez fait beaucoup de progrès, beaucoup de cheminement. Pour ma part aussi, j'ai eu énormément de plaisir à travailler avec vous. Donc, je vous souhaite un très bel été, au plaisir de vous voir. Even though it was not an easy year, guys, we got through it, and we had fun doing it, so I wish you the best. It was a real pleasure to teach you this year. Enjoy your summer vacation, and I hope you enjoy your high school years. So, see you! Bye! Bye. Dépose-le là. Merci, Jérémy, c'est gentil. Bonjour! La SPA a enfin réussi à faire passer sa nouvelle règle contre le claquage de porte. Le TAV Nouvelle commence maintenant! Donald Trump,
le chien de Donald Trump a attrapé la COVID-19. Donald Trump est vraiment dans l'agonie. Hey, ça va faire à m'amener à entendre parler du canard! Bon, sinon, sous un autre ordre d'idée, savez-vous que la majorité des cochonnets ne peuvent pas conduire légalement le bateau? On va rejoindre Julien à l'école du bac. Merci Pierre. Alors aujourd'hui, nous assistons à un match de soccer, même si on doit respecter les limites de distanciation. Et qu'on doit porter le masque, les joueurs s'amuser. Il faut peut-être souffler, mais elle continue quand même. Alors, comment ça se passe? Hey, pour vrai là! Hey, je suis soufflée là! C'est beaucoup trop là! Là j'ai de la misère avec mon cœur! Là il fait tellement chaud en plus! Là c'est ça! Fait que là, un 2 mètres là c'est n'importe quoi là! Alors, comment ça se passe? Je suis très heureux de faire mon sport! Même si ça coûte de faire de l'as! Mets ton masque! Ça va pas si pire. Les élèves font bien ça. Hey, juste un instant. Hey! Remets ton masque sur ton nez. Merci. Oui? Oui. Ah, je disais oui, ça va pas si pire. Regarde, les élèves contribuent bien, là, mais. Jeune homme! Mets ton masque! Ton masque! Alors, vous venez d'entendre Brigitte Desrosiers, enseignante à l'école du bac. Alors, bonjour à tous. J'espère que vous avez grandement apprécié notre gala virtuel cette année. C'était magnifique. Je tiens sincèrement à remercier M. Simon Dussault, qui a été le maître d'œuvre dans ce gala virtuel. Félicitations encore à tous nos élèves. Et je tiens particulièrement à remercier tout le personnel de l'École du bac pour cette année bien particulière. Merci à vous, chers parents, d'avoir accompagné vos enfants au travers de cette année. Et merci d'avoir cru en nous pour soutenir votre enfant dans cette année particulière. Bon été et bonnes vacances à vous.